L'objectif métier en fait du CS2I, c'est de préparer donc de futurs ingénieurs. En effet, au CS2I, lorsqu'ils intègrent, ils auront le choix entre deux spécialités. Tout d'abord, une première spécialité orientée donc vers les systèmes, réseaux, infrastructures. L'objectif métier étant de devenir donc administrateur système réseau ou ingénieur sécurité ou ingénieur système. Et on a ensuite une seconde spécialité qui est études et développement. L'objectif, c'est donc de pouvoir ensuite occuper donc un poste d'ingénieur d'études, ingénieur web, ingénieur Java, etc. Le principal avantage d'être en alternance, c'est de pouvoir appliquer les connaissances qu'on apprend en cours, en entreprise. C'est une formation qui forme vraiment mon travail de plus tard, donc il y aura un lien très fort entre ce que j'apprends et ce que je vais appliquer plus tard. Les profils CS2I nous intéressent puisque la formation porte sur des technologies Internet qui correspondent à notre secteur d'activité et aussi pour la démarche même des étudiants qui viennent avec la volonté de s'intégrer très tôt en entreprise. Cette ouverture et cette volonté est tout à fait intéressante pour nous, pour les intégrer dans les équipes.